tout le monde aspire à être quelqu'un et personne ne veut être un inconnu. Du fond de nos âmes, il y a un cri persistant pour une signification personnelle. Cette quête universelle de sens se manifeste de différentes manières, de la recherche au plus profond de nous-mêmes et qui mène parfois au sacrifice. Il semble que nous soyons prêts à tout faire pour nous convaincre, sinon le reste du monde, que nous comptons vraiment et que nos vies ont de la valeur. Vous savez, quand vous rencontrez un être humain humble, c'est inhabituel. Cela réchauffe le cœur. J'aime leur parler. Ils sont respectueux et sages. Ils n'ont besoin de rien de vous. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Malheureusement, la plupart des gens sont frustrés dans leur quête de signification. Le système actuel d'élitisme et de rangisme ne permet qu'à quelques-uns de réaliser leurs aspirations. Par exemple, de nombreux étudiants concourent pour être admis dans des professions prestigieuses telles que la médecine, le droit et la psychologie, mais seule une petite partie réussit. Comment pratiquer la vertu de l'humilité dans un monde aussi compétitif, où seul le vainqueur récolte les fruits ? Nous sommes tous d'accord pour dire que l'humilité est une qualité admirable chez les autres, car nous nous sentons en sécurité et à l'aise avec des personnes douces et humbles. Mais en ce qui nous concerne, nous pourrions considérer l'humilité comme un obstacle au succès et comme un sous-produit de l'échec. Comment quelqu'un peut-il atteindre le succès sans ambition et un esprit compétitif ? Qui ne se sent pas exalté et fier après avoir accompli quelque chose de grand ? L'humilité semble être un concept étranger dans une économie capitaliste. Peut-être que l'humilité semble avoir du sens uniquement lorsque nous nous trouvons complètement défaits. Alors, nous pouvons au moins prétendre avoir appris la vertu importante de l'humilité, qui fait cruellement défaut chez les autres. Une telle autoconsolation nous donne le répit nécessaire, jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous relever pour affronter une fois de plus une autre bataille. L'humilité consiste à se voir comme insuffisant et à avoir besoin de s'améliorer. L'opposé de l'humilité est l'arrogance, qui consiste à penser beaucoup de bien de soi-même et à mépriser les autres. L'arrogance rend les autres méprisants envers nous. Céder signifie renoncer à ce que nous voulons et laisser les autres avoir ce qu'ils veulent. Une personne compatissante est heureuse de céder aux autres. L'opposé de la cession est l'entêtement implacable qui crée des conflits et ruine les relations. Cependant, aussi judicieuse et attrayante que soit cette ligne de raisonnement, elle nous empêche en réalité d'atteindre une compréhension plus profonde de la vertu de l'humilité. Dans cet essai, je vais tenter de clarifier certaines idées fausses, présenter différentes perspectives de l'humilité, examiner ses implications pratiques et enfin proposer une psychologie positive de l'humilité. La recherche de sens et de signification ne doit pas être confondue avec les ambitions personnelles de succès mondain. L'épanouissement du sens ne peut être réalisé qu'en connaissant qui nous sommes et en devenant ce que nous sommes censés être. Une claire identité ne peut être trouvée dans les circonstances externes. Elle ne peut être construite que sur la base de valeurs fondamentales et de croyances qui définissent notre individualité. De même, un sens clair de la mission ne peut être trouvé dans les oripeaux du succès. Il ne peut être basé que sur une profonde conviction de notre appel et de notre mission dans la vie. L'eau est humble. Elle coule vers les endroits les plus bas, où elle nourrit toutes les plantes et tous les animaux sans demander de récompense ni de reconnaissance. De même, les personnes humbles sont heureuses de servir le groupe tout en étant en bas de la hiérarchie du pouvoir. Elles ne sont pas intéressées par la lutte pour les positions supérieures. S'il y a quelqu'un d'autre qui est plus digne de la position, elle lui cède volontiers. Comme l'eau, elle se soucie de bénéficier à toutes les choses sans conflit. L'eau est harmonieuse. Quand l'eau rencontre un rocher, elle ne se bat pas avec le rocher. Au contraire, elle le contourne simplement. Elle ne ressent ni colère ni conflit. Elle maintient l'harmonie. À long terme, l'eau use en réalité le rocher obstiné. C'est pourquoi, dans le chapitre 43 du Tao Te Ching, Lao Tzu a dit « La chose la plus souple au monde domine la plus dure ».
De même, si une personne arrogante et obstinée rencontre une personne humble, elle ne peut pas briser la personne humble. La personne humble cédera et maintiendra l'harmonie. La personne arrogante devient de plus en plus frustrée de ne pas pouvoir rendre la personne humble malheureuse. Et toutes les personnes autour commencent à admirer davantage la personne humble et à mépriser la personne arrogante. Par conséquent, ce qui est doux et souple est fort et réussi. L'eau est ouverte au changement. Elle peut s'adapter à n'importe quel récipient, que ce soit une tasse, une casserole ou un lac. En fonction de la température, elle peut être liquide, solide ou gazeuse. Nous vivons dans un monde constamment en évolution. Nous devons donc rester ouverts au changement, humbles à l'apprentissage et harmonieux avec les autres. Le principe central du taoïsme est que le but de la vie est de suivre la voie ou Tao. Pour vivre selon le Tao, le principe universel, il faut embrasser le principe de l'humilité et de la non-action, Wu Wei. Cette philosophie est en réalité très pratique, car elle permet aux gens de vivre dans la tranquillité et la satisfaction même au milieu de la pauvreté, des guerres et des catastrophes naturelles. Le développement rapide de la société industrielle a apporté une pléthore de marchandises et de nouvelles technologies, ainsi qu'une explosion d'informations et une communication interpersonnelle accélérée. Les humains récoltent les dividendes toujours croissants de la civilisation, mais cela a un prix élevé. L'épuisement des ressources de la Terre et la détérioration de l'environnement de vie. Cela a suscité une réflexion sur les problèmes potentiels liés à la manière dont les gens vivent et produisent ce dont ils ont besoin. Ainsi, la philosophie taoïste offre des conseils riches à l'humanité sur la manière de vivre de manière rationnelle et saine. Ces idées sont inestimables pour nos vies aujourd'hui et indiquent également une voie à suivre pour l'avenir, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. L'humilité est l'un des concepts éthiques les plus essentiels dans le taoïsme, avec une influence considérable sur l'humanité. Bien qu'il existe de nombreux termes décrivant l'humilité dans la Chine ancienne, le taoïsme développe le concept de manière profonde, ajoutant à la profondeur théorique et à la portée de l'humilité. La compréhension de l'humilité dans le taoïsme est systématique plutôt que aléatoire ou fragmentée. Dans le taoïsme, l'humilité est considérée comme une vertu, mais elle n'est pas limitée aux relations interpersonnelles, et elle n'est pas simplement considérée comme une caractéristique morale. Vue dans une perspective large, l'humilité est placée dans un contexte holistique et considérée comme la manifestation quintessentielle du rôle du Tao. Dans le taoïsme, bien que toutes choses diffèrent les unes des autres de diverses manières, elles découlent toutes du Tao, ou de la voie. En ce sens, tout suit une rationalité de l'existence, et ainsi, tous naissent égaux, ni haut ni bas, humble ni noble. Bien que les humains soient dans la forme quintessentielle parmi toutes les choses, ils font partie du tout au sens le plus large. Par conséquent, en tant que chose, ils ne peuvent échapper aux limites de la nature. En comprenant le monde naturel et la société humaine, et en s'engageant dans toutes sortes de jugements factuels et de jugements de valeur, les gens peuvent être restreints par le temps et l'espace ou des positions particulières. Par conséquent, ils adoptent des positions particulières et maintiennent certains préjugés. Le résultat inévitable est la vision étroite de l'autocomplaisance et de l'exclusion mutuelle. Pour devenir des personnes talentueuses et capables, nous devons émuler l'eau. Quand nous sommes humbles, nous ressentons le besoin de nous améliorer et d'apprendre davantage. Quand nous sommes souples et harmonieux, nous nous entendons bien avec les autres et les autres nous élèveront. Quand nous sommes ouverts, nous pouvons nous adapter au monde en mutation. Comment une telle personne ne deviendrait-elle pas exceptionnelle ? Avec tant de conflits et de catastrophes dans le monde, nous avons plus que jamais besoin de leaders vertueux, talentueux et capables. Les gens regardent leurs leaders et apprennent d'eux. Par conséquent, nous avons besoin de leaders qui enseignent l'humilité, l'harmonie et l'ouverture par leurs actions et leurs paroles. La montée et la chute de toute nation ou groupe dépendent de la grandeur du leader. Le meilleur que nous puissions faire en tant qu'individu est d'être un bon leader pour les personnes qui nous entourent.
Cette philosophie de la vie décourage également les gens de compétitionner pour des gains matériels et un pouvoir personnel. En tant que philosophie politique, elle enseigne aux leaders à diriger en suivant la voie plutôt qu'à travers le pouvoir coercitif ou la puissance militaire. De plus, il n'y a pas de perfection éternelle dans le monde. La perfection complète est en fait imparfaite, car atteindre l'apex signale une récession imminente. En revanche, approcher de la perfection sans l'atteindre est la véritable perfection dynamique et accessible. Cette exposition sur les interrelations entre les choses reflète la meilleure façon de vivre et de se comporter ainsi que la philosophie de la vie. Aucun mot d'humilité n'est utilisé ici, mais lequel ne pointe pas vers l'humilité ? Parmi les forces opposées, dures et molles, attaque ou retraite, fort et faible, offensive et défensive, expansion et contraction, ces dernières offrent une position plus avantageuse car elles représentent la croissance, la créativité, la paix et la stabilité. Selon la loi selon laquelle les choses tourneront inévitablement mal après avoir atteint le zénith, les côtés agressifs se dirigeront vers la ruine à l'avance. Par conséquent, pour un dirigeant sensé, la chose la plus importante est d'ajuster constamment sa position et de rester humble, ce qui est la véritable position invincible. C'est la sagesse toujours nouvelle que le taoïsme apporte à toute l'humanité. Il y a récemment une histoire racontée à propos d'un cultivateur du Tao qui était également un auteur. Pendant un moment, son attention s'est fixée sur le désir d'augmenter les ventes de son livre. Il cherchait à améliorer sa réputation en termes de ventes et d'appréciation des lecteurs en obtenant davantage de bonnes critiques pour son livre. Puis un sage du Tao a lu ses commentaires et lui a montré comment ses actions n'étaient pas conformes au Tao. L'auteur a réalisé ce qui se passait et a relâché l'emprise du désir égoïste et du besoin. Plutôt que de prendre offense, il a accepté la vérité des paroles du sage. Dans l'humilité, il est devenu libre ou désencombré de ce désir. Si son ego était resté en contrôle, il aurait été offensé par les paroles du sage et aurait été coincé dans l'illusion selon laquelle il devait avoir des critiques positives pour réussir. Il aurait pu se laisser distraire par l'offense et la souffrance qui l'accompagne. En étant comme l'eau, il a assumé la position basse, l'humilité, où l'ego ne pouvait pas résider. De cette manière, il a permis à son esprit de sagesse de s'exprimer et de devenir fort. Le sage taoïste lui a offert la vérité, mais elle n'a été acceptée et comprise que par l'humilité. Il y a de la force dans l'humilité, parce que l'ego n'a pas d'emprise. Il meurt par manque d'attention et de fierté. Avec l'ego écarté, la sagesse et la connaissance prennent racine comme l'épanouissement de la fleur de lotus, s'élevant au-dessus et devenant un avec le grand Tao. Nous pouvons reconnaître l'ego à l'œuvre lorsque nous nous trouvons incapables d'être humbles. Si vous commencez à ressentir la fierté, l'arrogance et la contention s'installer, c'est l'ego. Si vous ne pouvez même pas, ne serait-ce qu'un moment, pratiquer l'humilité et prendre la place basse, c'est l'ego. Si vous ne pouvez pas passer outre à une offense perçue, c'est l'ego. L'humilité est une médecine, le remède, l'antidote à l'ego qui est un poison pour l'esprit. Libérez-vous, revenez à votre véritable être et expérimentez la force et le courage de couler comme l'eau. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous. Votre soutien, vos vues et vos j'aime sont des témoignages précieux de l'énergie positive qui circule au sein de notre communauté. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et réaliser que mon contenu résonne avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien continu m'encourage à repousser mes limites et à créer du contenu qui vous inspire et vous enrichit. Merci infiniment pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à construire cette communauté inspirante.